27 ans au pouvoir, Blaise dégage. Des slogans sans concession exprimés par des centaines de milliers de manifestants dans les rues de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Des citoyens exaspérés par la longévité au pouvoir de leur président Blaise Compaoré, qui a pris les rênes du pays à la faveur d'un putsch en 1987. Ce n'est pas la première fois que la contestation gagne la rue, mais la mobilisation s'est avérée massive. Parmi les nombreux jeunes présents, beaucoup n'ont connu que ce président. On ne veut plus de lui. On ne veut plus de lui. On veut empêcher l'Assemblée là. On veut dormir là-bas aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, on va dormir à l'Assemblée. L'Assemblée nationale qui doit examiner ce jeudi un projet de loi visant à modifier la Constitution pour permettre à Compaoré de briguer un cinquième mandat, ce que les protestataires qualifient de coup d'État constitutionnel. Le doyen des chefs d'État ouest-africains reste un partenaire majeur de la communauté internationale dans la gestion des crises régionales.